En pleine promotion de son One Woman Show même pas mal, Natasha Amal a fait d'étonnantes révélations lors d'une rencontre avec Gala. La comédienne a confié avoir failli épouser une femme, tout en expliquant qu'elle ne se considère pas lesbienne ou bisexuelle pour autant. Elle fait le bilan calmement, simplement, et avec humour. À l'occasion du lancement de son One Woman Show même pas mal, un spectacle dans lequel elle met en scène sa vie, Natasha Amal a accordé un entretien à cœur ouvert à Gala, une interview à retrouver dans le numéro de ce jeudi 14 novembre. Celle qui a affirmé à notre journaliste « J'ai réussi ma vie professionnelle mais dans ma vie privée, je n'ai fait que m'en tromper » s'y confie sans farce sur son passé amoureux, notamment ses deux mariages soldés par deux divorces. Lors de cette rencontre, Natasha Amal est également revenue sur un détour moins connu de sa vie sentimentale. La comédienne a vécu dans le passé deux histoires avec des femmes, dont une a failli déboucher sur un troisième mariage. Ma compagne m'avait présenté ses parents dans ce but, nous révèle-t-elle. Des expériences avec des femmes qui sont pour l'actrice belge l'exception, je ne me définis pas comme bisexuelle. Chaque fois, il s'agissait d'amitiés fortes qui débouchaient sur des expériences charnelles. Comme si je ne pouvais rien faire à moitié. Mais je ne me considère pas lesbienne pour autant. Natasha Amal ne cherche pas la femme de sa vie, ni l'homme d'ailleurs. Après l'échec de son premier mariage avec le producteur belge Claude Rapp, la comédienne a retrouvé l'amour dans les bras de Jacques Stival, épousé en seconde noce à l'été 2015. Mais leur union n'a pas passé le cap des 4 ans. En octobre dernier, l'actrice de 51 ans annonce son divorce lors d'un entretien avec France Dimanche. Aujourd'hui, Natasha Amal est célibataire et oublie ses peines de cœur sur scène. Même pas mal.